Hey tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien, moi c'est Vankel, aujourd'hui nouvelle vidéo, comment on peut voir les bâtiments violets et les erreurs. Qu'est-ce qu'il a lui? Bon c'est très simple, vous avez juste à regarder la vidéo, c'est parti. Vas-y. Je t'aime. Quand je te regarde, je vois des étoiles dans tes yeux. Alors c'est très simple, vous allez sur le lien qui est en description, vous faites télécharger, en vert là, qui est là, ok, 29 minutes, c'est quand même long, il y a un problème, bref, on se reprend juste après. Bon voilà, du coup c'est bon, c'est enfin téléchargé. Du coup, dès que vous avez le dossier WinRAR, du coup le dossier qui est téléchargé, vous allez sur Steam, qui est là, du coup on lance Steam, vous allez dans Bibliothèque. Bon, ça charge, mais je m'en rappelle. Du coup, c'est bibliothèque, accueil, Garry's Mod, clic droit sur Garry's Mod, propriété, fichiers locaux, parcourir les fichiers locaux. On attend un peu. Garry's Mod, add-on. Du coup, là, il y a bah, du coup, tous vos add-ons. On ouvre le dossier WinRAR. On prend le dossier jaune, CSS content. On le met dans le dossier add-on, comme, comme je fais là. C'est très simple, hein. Ça va mettre du temps, du coup on se retrouve juste après le chargement. A tout de suite. Bon, voilà, après le chargement, 99%. Bon voilà, après le téléchargement. Du coup, bah, le dossier est bien là, vous regardez bien qu'il y a tout. Matériel, du coup, voilà, il y a tout, c'est parfait. Building, c'est surtout les... Bah, les buildings. Les appartements, etc. Du coup là, on va lancer Garry's Mod. On peut fermer tout ça, lancer Garry's Mod, et on se retrouve juste après. Du coup voilà, on vient de spawn, et voilà, il n'y a plus rien en rose et en noir. C'est magnifique. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont au quartier là-bas. Du coup voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'était Bozo, bye bye.